Bonjour et bienvenue, nouvel épisode. On a des choses à faire, on y va. On fonce. On doit redescendre aux mines. La dernière fois, on avait fait un épisode qui était un peu long, mais sur la fin, on a trouvé, donc on a avancé dans l'histoire. Donc j'ai décidé, on va retirer ça. Voilà. Comme ça, on a de l'endurance et on a du poids. Donc on a des filtres sur nous, on en a 5, ça suffit largement, pas besoin d'en prendre plus honnêtement. On a de la nourriture, on a de l'eau, on a tout, on a plein de trucs, ça va, y a pas de problème. Il y a honnêtement pas de problème. Donc on va retourner dans les mines, donc j'ai regardé mon document, parce que j'avais dit que j'allais regarder mon document. Donc oui, il y a 2 portes exactement qui sont fermées encore pour nous. On a la porte du contremaître qui est au niveau 3 du coup, c'est bien ça. Et après on a la porte en haut. Alors là, moi j'avais écrit que c'était clé de la porte de la mine. Nous on a déjà eu une clé de porte du... Non, de la mine du bureau. Le bureau. C'est pas pareil. Je crois que c'était en haut. La cage d'escalier. D'ascenseur. Donc ouais, nous on l'a ouverte celle-là. On n'avait pas trouvé grand-chose de très intéressant. Merde, c'était où? Ah merde, ah non, c'est pas le... Bon, ah, attendez, on est arrivé comme ça. Bah ça doit être à gauche. Alors. On a ça normalement, on a la lampe, toi bien. Okay. Merde. Où je suis là? Ah mais attendez, j'ai jamais pris ça. Mais je suis pas du tout au bon endroit. What the... What? La merde. Attends, c'est ça la cage d'escalier, l'ascenseur? Mais où on est? Mais je suis quasiment certain qu'on avait fait toutes les mines. Apparemment non. Ok. Ok, se fermer. Restricté d'area. Ok. Waouh. Ok, d'accord. Bon, on a trouvé un autre endroit. Ah merde, à la fois. Ça. On va devoir remonter parce que... C'est pas du tout où on veut aller. Il y a du gaz. Ah, j'aurais dû prendre ma lampe torche. Quel idiot. J'aurais dû prendre ma lampe torche. On est dans une aurore boréale. Ok, cool. On va courir pieds nus. Keep out, ok. Ouh, c'est grand ici. Elevator, ok, cool. Gaz toxique. Gaz toxique ici aussi. Gaz toxique ici aussi. Ok, intéressant. Donc là, on est quoi? Au floor 1, je pense. C'est pas exactement ce qu'on voulait faire. J'ai pas pris ma lampe torche. Ah, ça m'énerve d'oublier des trucs comme ça. Ça aurait été trop bien. Mais bon, après, c'est pas comme si on n'avait pas de jerrycan, mais... Attends. Bon, faut garder ça en tête parce qu'il n'y a aucune croix. Parce que vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais balisé les endroits. Les différents endroits.
J'avais dessiné en fait partout. Donc ça c'est un autre endroit. Floor 1. Mais en fait j'ai mal fait les floors. Hein. Je crois que j'ai pas bien fait hein, la dernière fois. Il y a plus. Hein. Attendez. Putain mais attends, tu vas me dire que j'ai fait ça mais j'ai mal noté du coup, j'ai mal fait. Bon, on est là où on voulait être de toute façon. Bon, faudra y penser. Faut qu'on retourne à cet endroit. Faut absolument qu'on retourne à cet endroit. Faudra refaire floor 1. Je vais même me l'écrire. Revisiter floor 01. Ok, revisiter floor 01, ça marche. Donc là, on doit descendre tout en bas. Il y a toujours l'aurore boréale ou pas? Alors, elle était où la porte? Ça, c'est où il faut des outils. Ah, c'est ça, je crois. Il y avait une autre porte aussi, je crois bien. Je me rappelle plus où. Ah, une autre porte, elle est au-dessus. Rapport du contremaître. All our temp scaffolding is coming apart now. Earthquakes and nervous hands will do that. The final cables are set and insulated. We still don't know if it's enough. The generators they brought in could power a small town through the winter, but I don't trust them. This is gonna blow up in our faces. If we're lucky. Intéressant. Il y avait une autre porte de contremaître en fait qui était verrouillée, vous vous rappelez? Par contre, je me rappelle pas où c'était. J'ai bien envie de casser ça là pour voir s'il n'y a pas des objets dedans. Oh putain, c'est long, hein. Faire ça au couteau. Mais je sais plus. Je crois que c'était à l'extérieur. C'était en haut, hein. Le son est super bas ou c'est moi là? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Le son il est super bas. What the fuck? Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bizarre, le son, après l'explication, là, le son a vraiment baissé. On va voir si je change de zone. Faudrait que je pense à changer. Ok, là, c'est bon. Ouais, vous avez vu la différence? J'ai rien touché. Aïe, 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 ce jeu. Putain, maintenant, ça me tue les oreilles, c'est bien. Maintenant, j'ai l'impression que tout est super fort. C'est bien. Putain de jeu. Bon, comment on fait? Donc du coup, il y a le floor 1 à revisiter, mais ça on le fera plus tard. Nous on va monter. Il y avait une autre porte de contremaître. Je crois qu'elle était tout en haut, dans un des bâtiments, je me rappelle. C'est peut-être ce bâtiment-là, je pense que c'est le troisième quand même. Faut que je vois. On va s'arrêter là. On va pas boire, parce que si je dois prendre du café pour mon endurance, on va être dans la merde. Est-ce qu'on peut dormir une heure? Laisse-moi dormir. Laisse-moi mettre mon truc ici, bordel. Ok, d'accord. Attends. Voilà, j'ai compris. J'ai compris, on va pas le faire. Ah putain, en plus c'est la zone où on voit rien.
Désolé. Perds du temps, ça m'énerve. Là. Très bien. Non, parce que là, ça va être trop juste. Elle va être méga lente et tout. De toute façon, il va falloir qu'on dorme. Donc, on va faire ça. J'espère qu'on n'a pas besoin de l'aurore boréale, par contre, hein, pour faire la suite. Ok, c'est pas mal. Pas trop voir. Ok. Donc, je me rappelle d'une porte. Je me rappelle d'une porte, elle est en hauteur. Elle est dans un des deux bâtiments sur les côtés. Le premier bâtiment, c'est notre camp, quand on se met devant, je parle, quand on est vraiment en face. Et après, on a un bâtiment sur la droite, un bâtiment sur encore sur l'extrême droite. Et il y en a un avec ça, avec une porte fermée aussi, je me rappelle. Donc on va essayer de trouver ça. Ah, vous savez, un truc qu'on n'a jamais fait. Elle est tout en haut. On peut y aller ou pas? On va encore se fatiguer, mais bon, c'est pas grave. Ah oui. Intéressant. Intéressant. Oh. Des glands préparés. C'est une grande portion en plus. Grande portion. Cool. Baril. Ah. Ah, il y a des trucs. Il y a des trucs. Intéressant, c'est marrant. La descente, de toute façon, elle va être facile. Très bien. Donc, est-ce que c'était là ou pas? Oh mon dieu, maintenant il faut que je me rappelle où est-ce que c'était. Hein. Je pense pas que ça soit ce bâtiment. Ah si, peut-être. C'est ça, devant moi, là. Si, 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 c'est ça. Yes, let's go. Hope nobody needs this anymore. 52%, ça va, c'est bien. Coupe-boulon! Coupe-boulon indisponible, quoi. It was our first day back down below since the boss and his people arrived. He called us together and had us all sign new paperwork. Boilerplate stuff, but it had us wondering what's changed. Then he gave a speech, as he likes to do. Only this time in front of the gadget. I almost bought it, but then again, I've never been too practical. At least not enough to see what's good for me. He talked for a long time, but in the end, we were able to restart our work on the machine. We also rebolted the track connecting the concentrator to the ridge above. Better access if we need to move in more generators. This thing needs all the juice we can find. Did I mention I need to get the hell out of here? Hmm, okay. Alors, trouver un moyen d'atteindre la voie qui relie le sommet du contracteur à la crête. Donc là, il est en train de parler. Oh putain, le son, il est encore en bas. Il est encore baissé.
Attendez, faites gaffe, ça va gueuler. Ok, c'est bon. Donc le, il parle de ça là-bas, là-haut, la crête. On va prendre de la nourriture par contre. On va peut-être devoir dormir aussi pour que je me remette à fond. Alors maintenant, on a le coupe-boulon. Alors si je me rappelle bien, c'est en bas au troisième, au floor 3. On va prendre ce café-là, là. Okay. J'ai rien besoin d'autre. Il y a les... On a des bottes supplémentaires. J'ai envie de prendre plus de filtres, peut-être. Attendez. Je vais encore un peu me... baisser mon poids. Pour l'instant, je vais tout mettre là. Je ferai le tri qu'on rentre quand je entre deux épisodes. Le masque. 5, 6, 7, 8. 9, 10. Juste au cas où, parce qu'on sait pas ce qu'il y a en bas. Là, on approche en fait de la fin. Alors, on a des bottes à 52%. On va les garder de côté. 43, 52, ça c'est bien. On a une fusée éclairante. On a notre lampe. Il faut qu'on la blinde. Il me faut de l'eau. Prendre ça aussi. Je me prépare, hein. Je prends plein de ressources en fait pour rester genre en dessous de la mine longtemps. Si enfin dans la mine, pardon. Longtemps. Si jamais on a besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, ravitaillement. Ah, très bien. Du coup, on va dormir. J'ai à chaque fois du mal à savoir quel bâtiment c'est lequel. C'est celui-là qui est le plus proche ou celui-là qui est le plus éloigné, du coup, maintenant, qu'il faut, faut reprendre. Là, on a vraiment peu de viande. Encore heureux qu'on avait trouvé un cerf. De toute façon, là, peu importe, que ce soit la nuit, le jour, on s'en fout, on est en intérieur, donc... Ok, on est bon. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas celui-là, c'est là-bas. Mes mains là. Attendez, il faut de la lumière. Putain, la lumière elle passe pas. On est d'accord que là j'ai les gants de lapin avec mon. Avec mon vêtement d'ours, en peau d'ours là, non? C'est marrant, le jeu il met pas à jour. Putain, ils sont vraiment nuls. Le jeu met pas à jour. Si vous enlevez vos vêtements, il met pas à jour parce qu'il n'y en a pas des nouveaux, je crois. Du coup, bah, il garde en tête ce que vous aviez. Parce que normalement, il devrait me montrer ça. Il devrait me montrer du tissu, quoi. Noir. Aïe, 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 aïe.
Incroyable. Incroyable. Alors, niveau 3. On est bon. On est bon. Incroyable. Ce sont des trucs à tester. Ça prend 15 secondes à tester. 15 secondes. Putain. Ah, ça rend fou, hein. Ah, Interland. Interland. Vous manquez de testeurs. Au moins, vous manquez de gens. Nickel, nickel. Donc ça. Je crois qu'il y avait du gaz. Mais on peut courir dedans. C'est sûrement une des zones les plus grandes de gaz. Ah, on est bon. Ouais, sûrement une des zones les plus grandes. Au final, ça se passe bien, parce que j'ai un peu peur à chaque fois pour les équipements, parce que les équipements, en fait, baissent en pourcentage et tout ça. Donc, j'ai toujours un peu peur, parce que, par exemple, les bottes, on a trois paires de bottes, au final. Donc, bon, ça passe, en fait. Même si on peut pas les réparer, vous voyez. Mais bon, c'est vrai que des fois, ça fait un peu flipper, quoi. C'est parti. Ouh. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Il va me donner une clé. Yes, clé de la porte de la mine. Ok, cool. Alors, explorez la zone verrouillée pour y trouver des traces de Rudiger. Consultez les rapports du contremaître pour savoir où utiliser la clé de la porte de la mine. Je sais où c'est. Je sais où c'est, y a pas de problème. On l'a déjà vu. On a bien fait de prendre le café. Et on va faire ça. Donc pour l'instant, on se concentre sur l'histoire principale, enfin l'histoire en gros. Et après, on retournera au floor 1, sûrement dans le prochain épisode ou quelque chose comme ça, pour fouiller le reste, parce qu'apparemment, j'ai pas tout fouillé en fait au floor 1, au final. C'est vrai que c'est quand même des labyrinthes. Hein. C'est bête qu'on ait pas de carte d'intérieur. Ça aurait été bien ça. Ah, les gens qui font pas comme ça, honnêtement, vous allez vraiment avoir un gros problème avec l'endurance. Pardon, pas l'endurance, avec les filtres. Donc ouais, c'est vraiment la meilleure façon de faire les choses. Bon, on est reparti. Attends, on va regrimper, se retaper la corde.
toujours notre truc. Ouais, ouais. On va se reposer là. Encore deux cafés si jamais. Alors est-ce qu'on prend nos vêtements, nos gros vêtements ou pas? Parce que on va être dans la mine, donc en théorie il fait chaud. Donc en théorie on devrait pas avoir besoin de notre équipement. Ok, on est bon. Je m'en rappelle plus. Faut prendre quelle chute en fait pour passer d'un immeuble à l'autre. Je crois que c'est là. Ah, je sais pas quelle chute j'ai pris, moi. Quand je dis chute, hein, je parle de ça, là. Donc ça, ça va où? Ça va dans la mine ou ça va dans l'autre bâtiment? Non, ça va vers la mine. Putain, faut que je fasse demi-tour. Non, c'est pas celui-là, du coup. Non, on veut pas aller dans la mine. Ouais, parce que je me rappelle maintenant. Parce qu'à l'extérieur, oui, il y a une chute comme ça qui va dans le sol. Mais je pensais pas qu'on y avait accès. En fait, j'avais pas pensé qu'on avait accès. Comme j'ai pas vraiment réfléchi, quoi. Putain, j'arrive pas à avancer. Mais au final, oui, mais c'est celui-là, quoi. Intéressant, très intéressant. Voilà, là c'est pour aller dans l'autre bâtiment. Taper plein d'escaliers parce qu'il faut monter tout au dernier étage, je crois bien. C'est pour ça que j'adore cette zone là parce que vous voyez ce qu'on peut faire là avec en n'ayant pas de nos gros vêtements et tout sur nous, on peut tout faire encore, on peut se balader et tout, il n'y a pas de problème. Mais dans l'aéroport vous pouvez pas faire ça. Elle est tellement beaucoup plus intéressante, cette zone. Elle est tellement plus intéressante, sur tout point de vue. Maintenant, je me rappelle pas, par contre. Ah, c'est là. Encore... Non. Je crois que c'est là. Non, en haut, c'est les bureaux avec le masque. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. J'espère qu'il fera chaud, par contre. Parce qu'après, on sait pas vraiment, mais en théorie, oui. Ouais,
on est... Non, ça va, ça devrait bien se passer. Encore une fois, ça c'est un truc, j'aimerais bien prendre genre les équipements de mineurs pour avoir quand même des vêtements sur nous, mais c'est vrai qu'au final ça nous sert à rien. Waouh, super. C'est pas genre 4% de protection qui va vraiment nous aider. Et ce qui est embêtant, c'est que ça nous retire en fait de l'endurance. Et le but d'enlever nos vêtements, c'est d'avoir de l'endurance. Donc c'est un peu débile, quoi. Ça y est, on y arrive. On y arrive. Yes, on y arrive. On y est, ça y est. La mine, encore une autre partie de la mine, du coup. On va essayer de prendre tout ce qu'on trouve. Voilà, très bien. Bon, on a chaud, c'est bien. On peut. Allez. Très bien. This will come in handy. Ouais, sauf que c'est à 0%. Encore des filtres. Je vais prendre ça après. Ok. Un journal. I can probably make it back to the surface before the weather turns again. Moving slowly now. Recording as much as I can. The writing helps keep me here. Otherwise, my mind wanders. To the sea. To small ships in deep water. My mother's voice. Ok. Est-ce que le son a baissé ou pas? Non, ça va. Donc, à la base, il faisait quoi exactement? C'était des expériences, genre psychologiques, où les gens pouvaient avoir des pouvoirs psychiques, un truc comme ça, je crois. C'est ça, l'expérience de ce qu'on avait appris? Je crois, hein. Je m'en rappelle plus trop, j'avoue. Il y a certains qui arrivaient plus à dormir, genre ils avaient des cauchemars ou des maux de tête constamment. Ça, je me rappelle plus ou moins de ça. Où les gens devenaient presque fous, en fait. Oh, merde. Faut qu'on arrête de prendre du charbon. Ok. Bon, bah on va pouvoir mettre une croix. Ça, les bonbonnes, je vous rappelais que j'avais dit au début quand elles étaient sorties, on les... Oh merde. On les utilisait et tout ça. On va prendre un café. Et après, j'ai arrêté de les utiliser parce que ça servait à rien en fait à l'extérieur. Mais là, en intérieur, j'avoue que ça sert à quelque chose. Ok, on est bon en endurance. Let's go. Alors, ouvrez les yeux, ouvrez bien les yeux, faut pas qu'on loupe des objets. Et en dessous, c'est quoi ça? Rien du tout. Ah, risque d'étouffement arrêté. Ok, cool. Ok. Avant de partir, il faut que je me mette sur le bon onglet en fait.
Genre, ça, premier secours, hop. Ou alors, oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, oui. Parce que j'ai peur à chaque fois qu'il disparaisse le masque, en fait. Mais je crois qu'une fois que... En fait, une fois que vous avez le masque, il va se mettre automatiquement ici, à condition qu'il ait de la place. Je crois que c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Ok, on a un passage, là. Okay. Il fallait juste faire de la place, en fait. Pour la toute première fois. Ah. Their latest big idea is to bring some kind of doctor in. Just to talk, they said. None of the guys on my team believe a word of it. Ever since we flipped the switch on that machine, no one seems settled. We want to get paid, sure, but we want to make it out of this hole in the ground, too. I've got to put a stop to this. Donc ça serait la machine qui est utilisée pour faire des tests. Ah non, le son. Le son a été réduit. Oh merde. Chier. Ah, mais là j'ai pas d'endroit en fait pour sortir et rentrer. Bon, on a un chemin en fait qui allait qui était une sorte de trou là. En arrière. Alors, peut-être que c'est une coupure. Genre, peut-être qu'on va le voir sur la gauche. Genre un raccourci. Le son du jeu est très bas. J'essaierai de penser à l'augmenter. Ah, lampe. Ok, gaz ici. Ah, ça m'embête, ça. Ah! Bah, ça doit être ça. Ça doit être ça, le passage qu'on a vu. D'accord, ça marche. Vous voulez que je dorme une heure et que je quitte et je revienne? On va peut-être faire ça. Ah! L'inventaire a l'air bon. Non, mais le reste, non. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez remarqué que quand on lit quelque chose, le son, en fait, de l'ambiance baisse pour qu'on entende les voix. Et ce qui se passe, c'est que je crois que le jeu remet pas, en fait, après le... Voilà, quoi, un bug comme d'hab, quoi. On commence à être habitué. Allez, où est-ce que je mets mon lit, bordel? Ah, je peux pas mettre là, le lit? T'es sérieux? Je voudrais dormir, que ça sauvegarde, et je quitte et je reviens. Oh putain de jeu! Bon. Je suis désolé, je me débrouillerai avec le son, désolé. Mais le problème c'est que l'inventaire et tout, il est au son normal. Quoi. Bref, ça va me rendre fou, cette histoire. Alors on est à 42 kilos, faudra faire gaffe à notre poids par contre. On a encore du café? On a encore un seul café, ça me fait un peu peur. Notre lampe, elle va tenir encore. Ça m'étonnerait qu'on reste 3000 ans. Après, on a des torches et tout. Il faut juste trouver un endroit où on peut faire du feu si jamais on n'a plus de lampe. Allez, go. Oh putain, super. Terrible. Putain, tu fais exprès en plus de me mettre des... Tu fais exprès de me mettre des trucs à fouiller comme ça. Ok, cool. Ça va, on peut se reposer. Casque. Ok, ah bah tiens, est-ce que je peux me reposer là? Yes. Ok, cool. Très bien. Le son a pas du tout bougé.
Je relance le jeu, je reviens. Ok, on est de retour. Ouais, le son est bon. Ok, le son est bon. Donc voilà. On est bon. Du coup, on n'a plus de nourriture. Enfin, si, mais voilà. On a un seul café, faut que je me remette comme ça. Okay. On est bien. On a un 43 kilos, ça marche. Ah merde, attends, on est bon. Ouais, on est bon. Ils ont pas mis de jerrycan pour le moment, c'est bête. J'aurais bien voulu des jerrycan. Là, on a une chute. Non, mais une chute qui mène où exactement? Il y a des objets là. Oh mon dieu, ça a l'air d'être un labyrinthe de ouf. Quoi ce bruit? Je pense qu'on n'a pas assez d'équipement. Alors, fais voir. Je peux l'éteindre la lampe? Oh non, le son il va encore bugger. Oh, chier. I'm never leaving this place. I see that now. I tried to reason with him. To get him to see what this had all cost us. Rüdiger had other plans. The transmission site over the mountains. He's always had a way out. Always. He risked nothing. So I came back down. To try and smash this thing. Or do something. Anything. I think I'll just close my eyes for a little while. Ah, les gens sont devenus fous, quoi. Ah, tiens, le son a bien marché. Enfin, tout à l'heure aussi, il avait continué à bien marcher. Voilà, ça doit être ou aléatoire, ou alors c'est peut-être lié parce que j'avais une lampe à la main. Je voudrais bien un jerrycan, honnêtement. C'est vraiment les jerrycans qui manquent. Donc Rüdiger, il avait aussi un endroit par-dessus les montagnes. Genre un centre. Je sais plus exactement les mots qu'elle employait, mais... Mon dieu, il y a un passage là. Danger qui part, ok. Et à quoi d'autre? Deuxième. Et troisième. Eh ben ça va être fun. Ça va être fun. Alors on a des torches. C'est quoi ce qu'on entend? C'est stressant. Je suis en train de regarder pour le poids, en fait. On va arrêter de prendre du feu, parce qu'honnêtement, on a largement suffisamment pour le feu. On a 8 charbons. On a juste ça pour commencer le feu, puis après on a du chauffage et tout ça. Donc, faut arrêter de prendre du matériel pour le feu. Ok. Bon, on va où en premier? Je suspecte que là, vu que c'est proche du passage, de la chute, je suspecte que ça, c'est le chemin normal qu'il faut prendre. Nous, on a pris un raccourci. En gros, ce serait pour éviter le gaz. Ou pas.
Ça a l'air d'aller encore ailleurs. Oh mon dieu. Le problème, c'est qu'on a des bonbonnes, mais je sais pas comment, je sais pas quoi dessiner sur les parties. Il faudrait mettre des flèches à la limite. Ok. Donc là, on est où là? Oh merde, c'était quoi la sortie? Ça, c'est la sortie qu'on est revenu à la sortie là, non? Là, il y a du gaz. Je crois que la sortie, c'est ça. C'est un peu à m'inquiéter en fait. Ça mène où? Ok, là c'est où on était. Ok, donc sortie c'est là. Sortie est là. On peut faire quoi d'autre comme... Non, on peut rien faire, ouais. Faudrait vraiment pouvoir dessiner... Ou voilà, la limite, dessiner ce qu'on veut. Ou alors... pouvoir mettre des mots, genre exit. Genre sortie, du coup. Ça serait vraiment utile. Alors, je veux d'abord voir Keep Out. Ok. Vers la porte, Keep Out, danger. Ok, je suspecte que ça, ici... Oh mon dieu, d'accord, non. Non, 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 non. Ça doit être l'endroit, peut-être, de la machine. Alors par contre on va aller à l'autre endroit parce qu'il y avait de l'eau et tout ça, donc je veux voir ce qu'il y a. J'essaye d'économiser un peu la lampe, hein, on est à 50%. Après on a des torches, c'est pas vraiment le problème, mais j'ai pas d'endroit pour faire du feu. Et ça c'est un problème par contre. Pas de feu, pas de torche, pas de fuel, pas de torche. Proper safety equipment, think, danger, machine, opération, arme. Ok. Ok, ok, ok. Donc on a encore des portes fermées, des portes verrouillées une fois. Ou des clés, ou alors des choses pour les actionner. On va essayer d'économiser un peu la lampe.
Vous avez vu la chaleur comme elle baisse des fois? C'est parce que l'eau est froide de temps en temps. Mais comme ça, on se mouille pas. Après, on a encore des calories, on a encore de l'eau, il n'y a pas de problème. Faudra juste trouver un moyen. J'espère qu'il y aura une sortie. Hein. Enfin, quoique, dans un sens, on n'est pas vraiment équipé pour aller à l'extérieur. On verra. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ça la machine? S'approcher de la machine. Bof, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, on voit mes vêtements. Waouh! Oh la vache! In every man's journey, there's a moment of total clarity. When a blue sky or an empty road shows the way forward. I have had several moments like this during my life. But they always carried with them a spark of unpredictability. An energy I could not control. Was it these moments, these great creases of time that brought me my wealth? My success? My institutions and engines of influence and power. I have explored many corners of the planet and subjected myself to many dangerous and foolish undertakings, seeking the answers to these questions. And I survived, often in spite of myself and my ambition to define the absolute edges of my own existence. But as the wheel of my life makes its final turn, I have decided they are the wrong questions altogether. I am making new questions, and with them, new answers, new knowledge. A different world is coming, I am certain of it, and I will be prepared. It is only a matter of when, and it is in uncovering the when that I will define my own moment. Once again, I have seen the new horizon. Wow. Je me demande maintenant, est-ce que c'est cette machine qui génère ce brouillard électrique? Alors, explorer les zones verrouillées pour trouver des traces de Rudiger. Fouiller la salle de la machine, la salle de contrôle. Ah ok, maintenant les portes sont ouvertes. Ceinture à outils de contremaître, une ceinture de haute qualité qui permet d'alléger votre fardeau. Parfaitement équilibrée, elle offre à la fois confort et stabilité tout au long de la journée. Yay! Je crois que c'est ça notre récompense, peut-être. Alors, on va voir. Ok, ça m'avait enlevé mes trucs, apparemment. Ceinture à outils. Ça fait quoi exactement? 42, 45, 42, 69. Oh, ça réduit le poids. Attends, c'est une ceinture à outils. Ça marche sur que les outils peut-être? C'est pour ça que c'est petit. Ça a pas l'air énormément intéressant, mais... 0,50, 1,75. Non, ça a pas l'air de... Ouais, peut-être qu'on le voit pas, le poids. Peut-être qu'on le voit pas. C'est sympathique. C'est sympathique, mais je pense pas que ce soit très utile. Bon, après, c'est très léger, donc on peut toujours le mettre dans l'inventaire, mais... On va dire qu'en intérieur, ça peut être bien. Ouais, j'ai pas la scie à métaux, oui, c'est vrai que...
Est-ce qu'il y a des trucs à activer, genre pour l'histoire? Testament. Dépouille de la responsable de sécurité. What? Des os humains usés par le temps. Et l'oubli. T'es sérieux? Dépouille de la responsable de sécurité. Objet de quoi? J'ai un squelette sur moi? Non. Il doit être dans les objets clés. Souvenir. Enfin bref. I wanted to see you again. I wanted to feel your hand on my hip. Your smile in my eyes. I can't picture what this thing is without that. Or you. Everything is fading away here. I keep seeing my spot up above, near the waterfall. I want to escape. All that water, on its way to the sea, far away. The only thing I know is if I write it down, it might get to you. Some way. I love you. Just frost now. My breath. I would drink almost anything about now. Le fun, tout ça, cette histoire. Une feuille de papier sur laquelle un texte a été rédigé avec une écriture fine. L'encre a commencé à s'effacer. Oh mon dieu, faut que je lise tout ça. Sur son parcours, chaque homme connaît un instant de clarté absolue, au cours duquel le ciel immaculé ou une route déserte lui indique la voie à emprunter. J'ai déjà vécu plusieurs moments de ce type, mais ils étaient toujours chargés d'une dose d'imprévu, d'une énergie que je ne contrôlais pas. Sont ces charnières... Ok. Ces bifurcations dans le cours du temps qui m'ont apporté ma richesse, mon succès, mes institutions, mes structures de pouvoir et d'influence. J'ai exploré de nombreux recoins de cette planète et pris beaucoup de risques que d'aucuns considéreraient comme inutiles pour trouver des réponses à ces questions. Et j'ai survécu dans bien des cas, malgré moi et mon ambition de comprendre chaque aspect de ma propre existence. Mais à présent, alors que ma vie touche à sa fin, j'ai décidé que les questions que je me posais n'étaient pas les bonnes. Je suis en train de formuler de nouvelles questions, et après elles, de nouvelles réponses, un nouveau savoir. Un monde différent est sur le point de voir le jour, j'en suis certain, et je serai prêt. Ce n'est plus qu'une question de temps, et quand j'aurai résolu le problème du quand, je pourrai créer mon propre moment, une fois de plus. J'ai vu le nouvel horizon. C'est exactement ce qu'il nous a dit, en fait. Ce qu'on a entendu tout à l'heure. Donc ça va, c'est pas grave si j'ai mal lu. On l'a déjà entendu. Ça, c'est juste un livre. Faudrait que je regarde sur le Wikipédia exactement ce que fait la ceinture. Je pense qu'encore une fois que c'est vraiment juste pour les outils, c'est pour ça que ça change quasiment pas. Non, coupe-moi ça, on va lire ça. I've been walking the tunnels up and down.
fingers getting bad again. Just scribbling these reports. Not sure why, though. Not anymore. It's like they turned the lights off in my head. All dark. Where did it all go? C'est marrant, notre personnage il réagit par rapport à l'écriture, là, quand ça tousse et tout ça. Alors, déposer les os de la responsable de la sécurité de circuit à côté de la chute d'eau qui apparaît dans la photo instantanée de son journal. D'accord. La chute d'eau. Genre là. Là. On va devoir rentrer. Ah, le son est baissé. Merde. Oh putain, ça rend fou ce truc. Le son a été réduit. C'est pas grave, on peut partir de toute façon. C'est quoi ça? On va prendre un screenshot. Il y a plein de livres. Screenshot aussi. Bon, on va pouvoir partir. On a un autre endroit à fouiller, si vous vous rappelez. L'autre porte, là, après l'eau. Donc on va aller là-bas. Je vais voir notre nourriture et tout ça, ça peut aller. Le son est bas, je sais, je peux rien y faire pour le moment. Ah, quoique, on change pas de zone en fait là. Merde, je devrais peut-être dormir. Enfin, oh là, ma lampe elle est vraiment abîmée. Oh la vache, ah, elle était. Tu vas pas me dire qu'elle était tout le temps allumée quand on s'est évanoui. Parce que, ouais, c'est possible en fait. Ah, c'est embêtant. Je vais en manger 5. Histoire de monter un peu mes calories. Ça fait quoi ça déjà? Ça fait des maux de tête. Je vais essayer d'éviter les maux de tête. Parce que si jamais ça, c'est tout trouble et tout ça. Donc on va aller là-bas. Est-ce que l'eau est électrifiée? Non, ça c'est juste le froid. Je vais garder mes bottes quand même. Cette fois, au cas où. Par contre, on va avoir un problème avec la lumière. Comme j'ai dit, on a des torches, ça va, mais... Il faudrait un endroit pour faire du feu, comme ça on prend des torches. On fait des torches. Alors, est-ce que maintenant ça s'est ouvert? Yes, ok, cool. Donc, tous ces endroits, en fait, maintenant sont ouverts. Ah, attends, je connais ici! Attends, il me faut un objet. Ouais, yes, on connaît, on est déjà venu. Yes. Parfait. Donc on peut rentrer. On va rentrer, ça va être la fin de toute façon de notre épisode. Non, on va le laisser le charbon. Et là, du coup, c'est le bâtiment. Ou c'est la mine encore? Non, c'est le bâtiment. Putain, tu vas me dire que c'est la première fois que je prenais cette chute. Et au final, c'est une chute qui est importante. Parce qu'elle va directement à la porte qui était importante pour nous. Mais je crois qu'il y a d'autres portes comme ça qui sont fermées. Je pense pas qu'il y a que celle-là. Hein. Il y a d'autres portes. J'ai un doute maintenant, mais... Je m'en rappelle pas, mais...
Mais je pense qu'il y a d'autres portes. Bon, honnêtement, ils ont bien fait la zone parce que c'est un labyrinthe. C'est vraiment un gros labyrinthe et tout, donc il faut du matos, il faut, il faut la lampe, il faut de la nourriture, il faut... merde, c'est le mauvais côté. Donc il faut des trucs. Il faut absolument du matériel, du matos, des ressources. Mais après, ça fait un cercle et vous revenez là, en fait, et vous avez même pas besoin de prendre de cordes, d'escalader ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment bien fait, c'est... C'est digne, genre d'un Dark Souls avec les raccourcis, vous voyez, c'est vraiment bien fait. Une fois que vous avez le raccourci, c'est, vous pouvez tout éviter, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Très bien. Je sais pas trop quoi faire avec, avec la nourriture, là, parce que là, on est bloqué. On va un peu déposer ce qu'on avait, ce qu'on a en trop. Déjà, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette lampe? On serait tombé à court hein, avec la lampe normale. Complètement. Tac, tac. On a énormément de filtres. Ah, vous savez quoi? Je rangerai quand on va s'arrêter là, de toute façon. Je rangerai plus tard. Donc, on a récupéré notre nouvel objet. Je vais réfléchir. On va réfléchir deux secondes. Genre, est-ce que c'est vraiment très utile? Je vais être franc, non. C'est sûrement l'objet le moins utile qu'on ait pu récupérer. Parce que... Genre ça, c'est 5 kilos. On a plus 15. 5 ou 10? 5. 5 kilos. Après, le bien nourri, c'est 5 kg aussi. Et après, nous, on a le sac à dos technique, c'est 5 kg aussi. Ça, ça réduit, en fait, la charge qu'on a sur nous. C'est intéressant sans être utile. Parce que, genre là, on est à 40,29. On l'enlève. On est à 41,96. Ça fait quoi? Ça fait 1 point quelque chose. Ça fait même pas 2 kg, en fait. Ça fait même pas 2 kg. Mais le problème, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'on a toujours que dans deux emplacements d'accessoires. Ça, on peut pas l'enlever. Ça, ce serait débile de l'enlever. Genre, imaginons qu'on veut prendre une corde. Le poids est dangereux. Après, ça dépend si on est vraiment extrêmement léger. Mais la plupart du temps, on va pas être très léger. Donc, on peut pas l'enlever. Et après, si on veut prendre une corde, il faut mettre les crampons. Si jamais on se balade à l'extérieur, il faut mettre la couche de base isolante. Parce que ça protège et tout, et c'est vraiment bien. À aucun moment, ça, c'est vraiment utile. Après, on peut la garder sur nous et se balader avec. C'est 0,20. On peut la réparer, c'est bien. C'est 0,20. On va dire qu'en intérieur, ça peut être utile. On peut la porter en intérieur, j'ai envie de dire. Mais... Ouais. Le problème, encore une fois, c'est... Putain! Deux accessoires, quoi. Mince! Putain, ça m'énerve, ça. Putain, Interland, vous pouvez pas... Interland, vous pouvez pas continuer à rajouter des objets dans les accessoires, dans les slots d'accessoires, sans rajouter des emplacements en plus. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça. Parce que depuis que vous avez rajouté l'élan, ça, on peut jamais l'enlever. Et depuis que vous avez mis les crampons et tout ça, on peut pas ne pas avoir les crampons équipés si on prend des cordes et tout ça. Donc les crampons, il faut toujours les avoir sur soi. Et ça, c'est devenu extrêmement utile aussi. Donc ça aussi, c'est pas un truc qu'on peut vraiment changer. Donc ouais, je sais pas. Je pense que je pourrais peut-être garder la ceinture sur moi. Mais bon, encore une fois, c'est 0,20 en plus. C'est pas vraiment le truc qui va être très utile. Genre, si on est dehors, on va pas la mettre. Si on a froid, qu'on est à 0 déjà, bon bah oui, on va la mettre.
Mais ouais, non, c'est pas très intéressant. Ça m'embête, hein, parce que c'est bien, mais... Je suis un peu déçu par l'objet. Ouais, je suis un peu déçu par l'objet, quand même. Ça fait quoi, le mal de tête ? Genre, ouais, on voit moins bien. Ouais, on voit moins bien. Et ouais, il y a la lumière qui... Ouais, l'écran bouge un peu sur les côtés et tout. Ça va, ça dure pas longtemps. Ouah, la vie qu'on a pendant 3 heures. C'est pas mal, ça. Je voulais tester, en fait. Ouais, c'est pas mal. Cette y était. On va dormir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. La prochaine, du coup... Ah bah attendez, pardon. On n'a pas fini. Désolé, l'épisode va être grand. Déposer les os. Donc la responsable sécurité à côté de la chute d'eau qui apparaît sur la photo instantanée de son journal. Alors, le journal, on l'a récupéré, hein, évidemment. Attends, photo instantanée. Peut-être qu'elle est là-dedans maintenant. C'est ça, c'est celui-là. Les gens de la région appellent ça la chute d'eau éternelle. J'ai voulu l'immortaliser depuis mon coin habituel. La chute d'eau. Vous croyez que c'est celle du haut? Vous croyez que c'est celle de qui est ici? C'est quoi ça? Merde, putain, c'est pas la bonne. Voilà. Vous croyez que c'est celle-là? Peut-être. Il y a un tronc d'arbre qui fait le qu'on peut voir sur la photo. Donc là, il y a un tronc d'arbre qui fait un pont. Peut-être ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.